De quoi vit une famille de paysans burkinabés? On l'a vu, l'essentiel de la récolte est destiné à l'alimentation. Seulement si la récolte a été bonne, s'il y en a suffisamment pour toute l'année, le mari peut décider d'en vendre une partie au marché. En général, il va vendre sa récolte à un grossiste. Et avec l'argent, il va acheter un animal, une poule, un cabri, c'est sa façon d'épargner. Comme ça, si en cours d'année, il y a un petit problème, eh bien, il vend l'animal et il achète des médicaments, par exemple. Et le reste des dépenses, me direz-vous, les livres, les tissus, eh bien, ce sont les femmes qui achètent. Elles ont toutes leurs lopins de terre qu'elles cultivent et elles stockent leurs récoltes dans leur propre grenier. Avec cette récolte, elles vont fabriquer de la bière, par exemple, qu'elles vont également vendre au marché. Et avec l'argent, chaque femme va acheter des livres, des tissus pour ses propres enfants.